Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce plateau des États généraux de la liberté éducative. Merci à tous ceux et celles qui se sont levés de bonne heure un samedi matin pour suivre ce premier live. Alors, avant de commencer, je rappelle, comme à chaque début de live, que vous pouvez poser des questions en commentaire sur Facebook et YouTube. Nous les traiterons dans la mesure du possible. Je rappelle aussi que les discussions se poursuivent sur notre Agora. Allez-y pour déposer un témoignage, un point de vue, une proposition. C'est vraiment l'espace privilégié du débat citoyen. Alors, nous accueillons maintenant Valérie Vaillère. Bonjour Valérie. Bonjour. Avec qui nous allons parler attachement, besoin vital que les enfants ont de liens vivants, présence, égo et des conditions égologiques d'une bonne disposition à l'apprentissage et plus encore. Alors Valérie, tu es maman de 3 enfants, des villes et psychothérapeute. Tu as été engagée auprès d'associations agissant pour le soutien des mères, des familles et du maternage, et aussi des associations pour le développement d'activités culturelles, sportives et artistiques. Tu es passionnée de loisirs créatifs et des arts du fil, que tu qualifies de « family friendly ». Tu te formes depuis peu à la couture et tu considères le développement de l'art de vivre au quotidien en famille comme un outil thérapeutique. La priorité que tu donnes aux approches sensibles est au cœur donc de tes recherches. Décidément, les arts du fil sont une panacée. Tu connais sans doute l'apologie que Michel Audan fait de la sage-femme qui tricote aux côtés de la femme en travail. Pas loin du chat. Et pas loin du chat. Alors, l'attachement. L'attachement, ça désigne un processus psycho-affectif qui a été décrit par le psychiatre britannique John Bowlby, processus dont tu vas nous parler dans quelques instants. Mais avant de te donner la parole, j'aimerais clarifier un peu les raisons pour lesquelles nous avons souhaité parler d'attachement dans le cadre de ces états généraux. Alors, l'attachement, c'est plutôt vu comme un processus très circonscrit dans le développement psycho-affectif de l'enfant et relativement indépendant du corps, on va dire, de conditions physiques et matérielles. Et donc, à partir du moment où l'enfant est attaché psychiquement, il convient de le détacher physiquement. Ce détachement physique, cette rupture de la fusion, serait bénéfique pour l'enfant, structurante, et l'aiderait à grandir, c'est-à-dire à devenir plus autonome. Donc, c'est pour ça que nombreux sont ceux qui considèrent que l'école, ou ce qu'ils appellent la socialisation, est bénéfique à l'enfant très tôt dans sa vie. Mais c'est faire preuve d'une méconnaissance profonde du développement de l'enfant. Donc toi, Valérie, tu nous proposes pour ta part une façon tout à fait différente d'appréhender le développement de l'enfant et que tu as abondamment développé dans ton livre qui s'intitule « À moi, lorsque l'ego paraît, pour une égologie pratique ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'attachement et tout ce qui peut y être lié? Ce que je trouve intéressant dans ces théories de l'attachement, c'est qu'on formule des choses à ce sujet comme réponse à un mouvement continu de détachement. Comme si nos sociétés avaient en fait toujours développé des moyens de mettre l'enfant toujours plus loin, toujours plus tôt, pour pouvoir ces fameuses sociétés que moi je qualifie de séparatistes, qui n'ont rien à voir avec le séparatisme de notre président. C'est plutôt l'idée qu'on vit chacun loin les uns des autres et que comme ça, les petits engrenages et les petits rouages prendront beaucoup plus facilement leur place ici et là. Et donc, l'enfant participe de ça, il n'a pas son mot à dire, il faut le détacher le plus tôt, le plus vite possible. Et à force de faire ça, parce que les gens qui s'occupent d'enfants dans le monde, les milliards d'humains sur cette planète qui ont été parents, n'ont pas besoin de théorie de l'attachement pour savoir que leurs enfants ont besoin de... Mais nos scientifiques à nous, ils se sont quand même rendus compte que ce mouvement de détachement, il ne pouvait pas aller plus loin, en fait. On a vraiment touché le fond. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont entendu parler de l'hospitalisme, cette situation tragique des enfants qu'on trouvait dans les orphelinats, qui n'avaient justement plus rien de relié à qui que ce soit et qui étaient dans des détresses... incroyable. Enfin bon, donc on s'est dit, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Donc il y a eu l'OBSI, enfin Bowlby, tout ça est relié. C'est au milieu du siècle dernier. On ne peut pas laisser les humains crever tout seuls dans leur coin. C'est pas bon pour eux. Merci beaucoup. C'est gentil de nous le dire.
Donc voilà, l'attachement est né de tout ça. Et c'est vrai que moi, je trouve ça toujours fascinant de voir des spécialistes discuter de ce dont ont besoin les petits humains, alors qu'il y a tant de mères qui pourraient leur dire. Donc, ce fameux attachement, on s'est rendu compte qu'il y a deux choses. Alors, on a donné des noms à tout ça. Un double mouvement qui vient d'une part de l'enfant qui, effectivement, va chercher cette personne qui va lui donner la sécurité, le soin et aussi les échanges. Et on a appelé ça, on n'a même pas le mot « nous » en français pour qualifier ça, le caregiver et le caregiving, qui consiste en retour à donner ce soin. Le pourvoyeur de soi, on pourrait dire. On pourrait, mais c'est vrai que c'est long. Oui, c'est long, mais c'est vrai que c'est une expression que j'utilise. Mais... J'aime bien, c'est joli. Ben, non, tu fais comme tu veux, mais c'est vrai que moi, j'emploie pourvoyeur de soins. Ou pourvoyeuse, alors, bien sûr. On a figure d'attachement, ça fait partie du vocabulaire. C'est vrai que c'est important, mais ça reste un peu… Effectivement, c'est encore loin, même dans notre façon d'en parler. On parle d'attachement, mais on prend des mots qui mettent les choses et l'affectif à distance. Et bon, ben voilà, c'est notre manière de faire. Et on va toujours plus loin, en fait, là-dedans. Est-ce que tu pourrais juste un petit peu plus nous expliquer, tu as évoqué l'OBSI tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu pourrais l'OBSI, en fait, oui. À Budapest, c'est une pouponnière qui a été pionnière justement dans l'attachement en pratique, c'est-à-dire comment on fait malgré tout et pour des enfants donc en grande difficulté. Puisque c'était des orphelins, comment on fait pour qu'ils puissent construire cet attachement qui leur est indispensable. Donc, on s'est tout simplement rendu compte qu'il suffisait que ce soit toujours la même personne qui prenne soin d'eux. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et les parents qui ont vécu la valse des nounous dans les premières années, s'ils ont été un peu attentifs à ça, ils se rendent compte que ça ne va pas du tout, quoi. Donc, toujours la même personne qui s'y prend d'une certaine façon. Et elles apprenaient aussi à pas considérer l'enfant comme objet de soins, mais comme un partenaire de soins. Donc, à faire les choses avec lui. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Il y a toute une différence dans le fameux « changer le bébé » et puis vivre un moment ensemble avec ce bébé. Donc, ils s'arrangeaient vraiment pour que ce soit le plus possible les mêmes personnes qui reviennent tout le temps… Et qu'en grandissant, ben l'enfant puisse s'attacher tout simplement parce que même si on sait qu'un enfant, même un bébé tout petit, peut s'attacher à plusieurs personnes, ça va être important qu'il y ait une régularité, une constance dans la présence de ces personnes. Oui. Et ces enfants. Oui. L'idée de partenaire de soins, elle est intéressante. Est-ce qu'on pourrait la développer? Est-ce que ça veut dire que dans le soin, la personne qui reçoit les soins indique au pourvoyeur de soins comment lui donner les soins. C'est super important. Il y a un moment, quand on était sur un forum, je ne sais pas, où on s'était rencontrés, il y avait Janine, une personne qui est de ce forum, qui parlait de répondance. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce mot-là. Ah oui, tout à fait. C'est un terme que j'utilise abondamment dans mes textes. Voilà. Et merci Janine, parce que je lui ai aussi emprunté ce mot. Il est vraiment magnifique, en fait. Il veut dire qu'on est en situation de répondre à quelqu'un, mais ça veut dire d'abord qu'on a écouté et que cet être, tel qu'il est, il a besoin de quelque chose. On ne sait pas trop quoi, comment, mais on va ajuster notre réponse. Donc, avec le jeune bébé, ça sera souvent par des gestes. Il y a des bébés qui veulent être d'un côté, pas de l'autre. On le voit aussi dans le maternage, dans une position qu'un bébé veut adopter ou pas, et on se rend compte des fois qu'à des tout petits détails, la simple façon de se tenir va tout changer dans le fait qu'on soit bien installé ou pas. Et la répondance, c'est toute cette attention à l'ajustement qu'on a à avoir quand on est en interaction avec quelqu'un. Elle se fait au niveau physique, corporel, et c'est extrêmement important, et les bébés sont très très sensibles à ça. Et l'état dans lequel on le fait, c'est-à-dire que si je le fais en pensant à autre chose, à mon menu de ce soir, ou est-ce que machin, il m'a répondu que, les bébés sentent immédiatement qu'on n'a pas du tout la même présence. Là, on en vient à une autre notion que je trouve très, très importante, qui est
qu'est-ce qu'on transmet en fait quand on est dans ces gestes et ces soins et ces attentions. Et c'est là que le care en anglais, je le trouve intéressant parce que ça recouvre une notion beaucoup plus vaste que juste le fait de dire à un bébé t'as changé, t'as bu ton biberon, t'es changé, t'as ton biberon, maintenant tu dors et tu me fous la paix, quoi. Ce qu'a dit une femme qu'on a un jour entendue par sa fenêtre au bébé qui pleurait, il avait 15 jours, elle sortait de la maternité. Et voilà, comme si le fait d'avoir rendu le bébé propre, nourri, lavé, récuré, suffisait à pouvoir s'en détacher à nouveau. Mais c'est ce qu'on entend souvent. C'est ce qu'on entend souvent. Hein, comment dire, je pense que ça m'est arrivé à moi aussi, tout au début, quand j'ai eu mon premier enfant, de me dire, mais bon sang, je ne comprends pas, je l'ai changé, je l'ai lavé, oui. Je lui ai donné à manger, et puis il pleure encore. Mais voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on s'imagine pas qu'ils ont des besoins autres que physiques, physiologiques. Peut-être. Et ça vient d'où tout ça ? Qu'on a beaucoup de mal à imaginer, c'est que les besoins de justement qu'il y ait quelqu'un, une présence, quelqu'un qui soit là pour nous, c'est même plus un besoin, c'est une nécessité vitale de l'être humain, c'est de ressentir ça, cette présence, comme si la présence de l'autre nous aidait à ressentir la nôtre. Et sinon, c'est le vide, c'est le néant. Un humain, un bébé seul, il est dans le vide, c'est le lieu de l'angoisse en fait, ce qui fait que ce qui était la vie, ce qui était lumineux, ce qui était le paradis, se transforme instantanément en enfer. Il n'y a pas de moyen terme avec les bébés, il n'y a que des extrêmes. C'est l'enfer ou le paradis. Tant qu'on n'est pas construit pour moduler tous ces états et s'adapter au monde physique ordinaire que tout le monde connaît, on est d'abord dans ce néant ou dans ce paradis. Et toute la différence, c'est la présence ou l'absence. Et du coup, l'absence, que ce soit pour aller chercher quelque chose dans la cuisine peut-être, ou que ce soit pour laisser son enfant pour aller travailler, c'est du point de vue de l'enfant une forme de, comment dire, de, alors c'est le néant, mais c'est peut-être une forme d'abandon finalement, du point de vue de l'enfant. On peut dire que l'abandon, c'est à la fois le mouvement qui consiste à laisser l'autre loin de nous physiquement, mais aussi en pensée. C'est-à-dire que dans la répondance, si je me contente de faire le bon geste, mais que je ne l'habite pas avec ma pensée, avec mon élan affectif, il ne va pas du tout être ressenti de la même façon par le bébé. Et nous aussi, on est sensible à ça, mais on a tendance à se contenter de preuves visibles, en fait. Parce qu'on a appris à les identifier, à les associer à tout le reste. Mais pour les bébés, on ne les trompe pas. Le fameux temps aussi, toute la discussion, s'il vaut mieux un temps de qualité, donc là qui se rattache avec des théories de l'attachement, où on dit que finalement un temps de qualité, c'est très bien. Sauf que le néant, il n'est pas là un petit peu, il est là. Et quand il est là, pour un bébé, le sens, la notion du temps, il y a des gens qui... On peut retrouver ça, l'écoulement du temps qui est extrêmement variable selon l'intensité du moment qu'on vit. Mais pour un bébé, les moments, ils sont toujours intenses dès qu'ils sont éveillés. C'est d'ailleurs pour ça que c'est épuisant et qu'ils ont aussi besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de repos. Mais un repos dans le néant, c'est pas du tout pareil qu'un repos dans la présence de quelqu'un. Je crois que c'est Anne Sinclair, la journaliste, qui disait que il faut beaucoup, beaucoup de quantité pour espérer avoir un peu de temps de qualité. Et donc, que le petit temps de qualité, c'est un mythe, finalement. Donc, finalement, ce que je retiens de ce que tu dis, et c'est un terme que tu as employé, c'est le mot continuité dans les soins. Leur présence et continuité dans le soin. Or, ce qu'on propose aux enfants dès la naissance, c'est la discontinuité et c'est les ruptures, finalement. Oui. La présence, elle est en pointillé, s'il y en a. Oui, en pointillé, oui. Il y en a, il n'y en a plus. Et c'est comme si on attendait d'un enfant que finalement, il se contente des moments où il y en avait et que le reste du temps, ça n'existe plus. Le besoin doit s'effacer. Et que ce n'est pas à lui d'estimer son besoin, en fait. C'est à nous de dire, là, je peux te donner ça, donc tu vas t'en contenter.
Et bah, c'est une logique socio-économique à l'œuvre dans toute la société, en fait. Ce n'est pas du tout seulement dans ce qui concerne les enfants. On attend de tout et tout le monde qu'ils s'adaptent à ce que demandent leurs nécessités de survie, mais il n'est plus du tout question de présence et d'interaction et de joie, tout simplement, parce que c'est super sympa, un petit bébé qui s'amuse. Et c'est vrai que des fois, on peut mettre une heure à changer la couche parce qu'on s'est bien battu et que de toute façon, il s'est passé autre chose, mais ça n'a aucune importance, en fait. Ben non, pas du tout, c'est pas possible. Tout est chronométré, compté, régenté. Enfin, on a beaucoup de mal, en fait, à se... J'allais dire se contenter, mais c'est même pas se contenter, à être dans cette présence. Parce que la présence, ça demande de ne pas compter, par nature. Sinon, il n'y a pas de présence. Je suis en train de compter à la place. Ouais. Et tout de suite, ma qualité de présence est amoindrie. Et c'est aussi le temps de l'écoute. Ce qui fait que, justement, on parlait tout à l'heure de répondance. C'est une écoute qui va au-delà de la parole, c'est l'écoute de tous les signaux physiques, de tout ce qui se passe et de ce que je vais pouvoir répondre, mais je peux tout simplement me contenter d'être là. Il y a aussi quelque chose qui est important dans nos modes de vie, c'est que si on n'est pas en train de faire, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Oui. Et la présence, on n'a pas du tout besoin qu'on fasse. Je pense que tu connais ça et beaucoup, beaucoup, beaucoup le savent. Il y a un petit bébé ou un jeune enfant qui est en train de s'intéresser au truc le plus incroyable et formidable du monde, je ne sais pas, un passage de fourmi, une feuille, un jouet, quelque chose. Et si on a l'impression qu'on peut très bien les laisser tout seuls dans la pièce et aller faire autre chose, sauf que non, on ne va pas faire quelque chose pour eux, on ne va pas être en train de faire même avec eux, on peut aussi, hein, c'est autre chose, mais on peut très bien ne rien faire du tout, mais le fait qu'on soit là les aide à se concentrer et à être dans ce qu'ils sont en train d'explorer. Et c'est très frustrant pour les adultes, les occidentaux, qui se disent qu'ils sont en train de perdre leur temps, en fait. Oui, c'est vrai. Mais alors, est-ce que c'est la présence qui les aide à se concentrer, ou est-ce que c'est l'absence qui soudain les met en détresse et les empêche de se concentrer? Alors là... Il y a quelque chose de l'ordre de la construction de sa propre sécurité, en fait. Et ça, les théories de l'attachement, même en étant issues de sociétés occidentales qui cherchent le détachement et qui se disent donc, ben, si je pouvais donner le minimum vital pour être sûr que cet enfant s'en sorte un minimum et que par ailleurs je puisse aller faire mes trucs. Donc même ces théories disent qu'avant 3 ou 4 ans, un jeune enfant ne pourra pas se séparer sans manifester de la détresse. Mais avant ça, pendant ces 3 ou 4 premières années, on l'a vu, hein, nos enfants, ils vont faire des tests, des expériences sur si je suis là, si je suis pas là, et s'ils me voient pas, est-ce que je suis encore là quand même, ou qu'est-ce qui se passe? Donc, tant que ces tests valident pas le fait que je vais réapparaître, et donc les modalités de retrouvailles, ben, ils n'en savent rien. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué de réaliser. C'est qu'on n'est pas juste dans la pièce d'à côté. On a totalement disparu. Et le fait de disparaître totalement a l'air supportable si on sait qu'on réapparaît. Mais ça, il faut que les enfants en fassent l'expérience. La certitude qu'on réapparaît, la certitude qu'on va revenir. Et alors, c'est... quand est-ce que ça s'acquiert, ça, la certitude qu'on va réapparaître? Ça dépend vraiment des enfants. Et ça dépend du nombre de sales coups qu'on leur a fait quand on n'est pas apparu assez tôt. Ça dépend du nombre de sales coups qu'on leur a fait, oui. S'ils n'ont fait aucun sale coup, ils peuvent faire des expériences entre 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, où ça y est, c'est bon. Mais si on leur a fait des sales coups, moi je pense qu'il y a des gens à 80 ans, ils sont toujours parmi, hein. C'est très fort quand on voit la difficulté des relations de couple, de l'autre m'a trompé, la forme d'exclusivité et de jalousie et les règlements de compte qu'il y a très vite
Et c'est encore pire avec les téléphones mobiles. Je ne sais pas si tu as vécu avant les téléphones mobiles et si tu as engagé des relations avec l'autre. Mais le fait que quelqu'un ne te rappelle pas dans les 5 minutes, dans le quart d'heure ou dans les 24 heures, ça dépend de la tolérance de chacun, mais c'est un rappel de ça. Tu as disparu et tu n'avais pas le droit, quoi. C'est insupportable. Même si c'est tout le monde, évidemment. Mais bon, on ne va pas faire de la psy. C'est tellement fort chez tout le monde. L'abandon est omniprésent, en fait, dans nos sociétés. Ouais. Et alors, tu disais tout à l'heure que même dans le cadre de la théorie de l'attachement, on admet que la séparation produit de la détresse jusqu'à l'âge de 3-4 ans, mais on est dans un cadre où on recherche le détachement, donc, et comme tu le disais, c'est le minimum, quel est le minimum de détachement. Enfin, le maximum de détachement, pardon, que l'on peut admettre sans que la personne devienne en détresse. Mais si on recherchait des situations tout à fait confortables, qu'on ne se posait pas le critère du minimum de détachement sans créer de la détresse, cette limite de 3-4 ans, en fait, elle pourrait être encore plus éloignée. Ça, on pourrait parler en fait de 5, 6, 7 ans peut-être finalement. Pour s'assurer vraiment que l'enfant ne ressente pas de malaise à se retrouver coupé de ses caregivers, des personnes qui prennent soin de lui habituellement. En fait, il ne suffit pas seulement de ne pas ressentir de malaise. Et le caregiver, ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait qu'on a à manger, qu'on dort bien et qu'on est en sécurité. C'est d'abord ça, c'est vraiment important, cette sécurité. Mais en fait, ce que les enfants adorent, c'est les interactions, c'est les jeux, c'est les sourires, c'est qu'est-ce qui se passe, c'est découvrir. Enfin, les enfants sont d'une curiosité incroyable. Et quelqu'un qui est un facilitateur d'exploration, alors par la présence dont on a pu parler tout à l'heure, même sans rien faire, juste je suis là, donc j'ai ma base, je sais que tout va bien. Je peux explorer tout ce qu'il y a autour de moi. Et ce qu'on a remarqué avec les recherches sur l'attachement, c'est que quand même, même s'il a l'air de rien se passer, de temps en temps, le jeune enfant lance un petit coup d'œil ou il regarde si son caregiver a l'air de se mettre à stresser. Et là, il se dit, tiens, peut-être je suis en train de faire une connerie. Enfin, il ne se le dit pas comme ça, mais c'est un peu l'idée, quoi. Comme si, et donc, l'état en fait, émotionnel de la du caregiver, d'être en confiance et lui-même de se sentir bien et en sécurité, fait que l'exploration, elle est validée. Mais si on est soi-même dans un état hyper stressé, pas bien, pas content, les enfants vont le ressentir immédiatement. Donc, il y a tout un facteur social. Ça, c'est de la vraie sociabilité, en fait. C'est pas je suis parachutée dans un groupe et puis j'attends qu'on me dise ce que je dois faire. C'est vraiment tous ces petits signaux et tous ces échanges dont on ne se rend même pas compte, mais qui font qu'on peut aller plus loin dans notre expérience. Donc, si on peut nouer ce type de lien et de confiance avec d'autres personnes, il n'y a aucun souci. C'est peu importe. Et d'ailleurs, l'expérience qu'on a, c'est que, tu l'as vu aussi, hein, quand on fréquente d'autres enfants, que les enfants s'entendent bien, que les parents sont pas très loin, c'est un peu les conditions idéales, j'ai envie de dire. Parce que la personne toute seule qui fait le caregiver, au bout d'un moment, elle s'ennuie quand même. C'est pas tenable, en fait. Humainement, on ne peut pas demander à quelqu'un d'être là tout seul pendant 4 ans à se dire, bon, mon enfant se développe, quand est-ce que je vais pouvoir y aller? Enfin, c'est pour ça que l'école est ressentie comme un gros soulagement. C'est que les parents sont beaucoup trop isolés pour vivre ça dans des conditions satisfaisantes pour eux aussi. On a vraiment un gros problème d'organisation là-dessus. Et on est obligé de bricoler, on fait ce qu'on peut, mais franchement, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est d'autres parents qui ont des enfants qui s'entendent bien, nous on s'entend bien avec eux et tout le monde est content. Ça change la vie. Et donc des écoles qui pourraient accueillir les parents C'est un peu l'idée des crèches parentales. Ça peut bien se passer et c'est vrai qu'il y a un attachement du coup des enfants entre eux parce qu'après, il peut y avoir une réciprocité de l'attachement. L'attachement, ce n'est pas juste un caregiver et un objet
un objet humain à faire grandir pour qu'il soit un petit rouage productif de la société. C'est deux êtres et à un moment, chacun prend soin de l'autre et tout va bien, quoi. On peut tous être des caregivers les uns pour les autres. Et donc, il y a, dans ce cas-là, il se développe un attachement et des interactions qu'on espère intéressantes. Mais du coup, quand il y a un problème, comme on a cet attachement, ben, on est censé comment dire, avoir déjà en soi une confiance suffisante dans la solidité du lien pour que les problèmes puissent sortir et se résoudre. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on rencontre après dans l'éducation, c'est la difficulté à dire « là, ça ne va pas ». Les enfants se retiennent de dire « ça va pas » parce que c'est mon chat qui… Bonjour. Pour je suis désolée. Pour ne pas déranger l'autre, en fait. On croit souvent que si ça n'allait pas, on le saurait. Mais justement, pour en revenir à cet enfant à l'école à 3 ans, c'est absolument une catastrophe. Parce que beaucoup d'enfants ne diront jamais à leurs parents « ça va pas ». Parce qu'ils veulent les protéger, parce qu'ils savent très bien que ça les embête. Parce que les parents ne sont pas toujours accueillants de ce qu'on qualifie d'émotions négatives, tout ce qui est pleurs, tristesse, colère, enfin bref, on est complètement démunis pour recevoir ça. On a l'impression que ça veut dire que le lien est foutu. On n'a pas suffisamment confiance dans le lien, donc quand il y a une émotion négative, on se dit bah, « ça y est, le lien il est foutu ». Il y a plein de parents qui pensent qu'on ne les aime pas si on est triste ou qu'on est en colère, mais… Non, pas du tout. C'est juste que je peux dire ça va pas et on va voir ce qu'on peut faire. Mais à la place de ça, les enfants apprennent à retenir leurs émotions. Et là, il y a ce fameux contrôle émotionnel dont je parle beaucoup, 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 parce que bah, en thérapie, c'est l'obstacle numéro un. Quand on reçoit quelqu'un, il vient pas pour boire le thé. Moi, j'aimerais bien, mais il y a des choses importantes à aborder, il y a des choses douloureuses, il y a des choses compliquées. Et on est tellement dans ce contrôle, même si on pense qu'on ne l'a pas développé, que les gens ont beaucoup de mal à aller dans leurs émotions, leurs ressentis, leurs sentiments. Beaucoup de gens disent « moi je ressens », mais ils sont en train de penser, ils ne sont pas en train de ressentir. Enfin, ils sont en train seulement de penser sans connecter à un ressenti. On pense forcément pour l'exprimer, mais « je pense que », »,« je sens que ». C'est tout ce langage du corps et des émotions qui est… en amont, en fait, de la parole, et qui est souvent comprimé, on le garde bien dedans et on n'en fait plus rien. Et les enfants souffrent à l'école, mais les parents n'en savent rien. Parce qu'au moment où l'enfant revient, tout va bien, il est content de retrouver ses parents. Il pense que du coup, la journée s'est bien passée, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et les enfants ne vont pas forcément le dire. Et les instits, ben, s'ils en ont 30 en face d'eux, comment ils savent ce que vit l'enfant ? Idéalement, si on était dans des écoles où les parents pouvaient être présents, se connaissaient bien, il y a des petites structures, hein, on voit, ça marche bien, les parents viennent, les enfants viennent, et même comme ça, c'est pas si facile, mais bon, au moins, il y a plein aussi de conflits, de règlements de compte, de choses comme ça, il y a des gens qui interviennent tout le temps, donc qui n'interviennent pas du tout assez. Et puis, équilibrer tout ça, c'est vraiment compliqué. On est un peu handicapé hein, dans nos sociétés. On a du mal. Oui. Donc, l'école à 3 ans, en tout cas… Bah, si ça consiste à aller dans un lieu sympathique, à pouvoir y rester autant qu'on veut, à y venir une ou deux fois dans la semaine… Ça, j'en avais parlé avec des institutrices qui me disaient qu'elles savaient très bien que de toute façon, elles, ça les arrangerait aussi, hein, mais que ce n'était pas possible. Mais elles voyaient bien que toute la semaine, c'était beaucoup trop pour les enfants. Même tous les matins, ça pouvait être trop. Si on pouvait, comme ça se fait un peu en halte garderie, par exemple. Ça, j'ai vu des relations sympathiques se faire. Bon, les parents ne sont pas vraiment dans la halte garderie et c'est un peu dommage. On pourrait mixer tout ça, mais des structures où les parents ont leur place, autant qu'ils veulent, ça je te dis, dans les crèches parentales, ça se fait, mais on peut le faire aussi de façon privée, quand on a le grand privilège de pouvoir vivre avec nos enfants à notre rythme, et habiter juste à côté d'autres mamans ou d'autres parents qui peuvent faire la même chose, mais qui a la chance de pouvoir faire ça et le loisir de pouvoir le faire. L'autre jour, j'ai vu une émission sur une école au Danemark, où il y avait la directrice de l'école qui accueillait les enfants quand les enfants arrivaient et qui était là quand les enfants sortaient.
Il y a une petite fille qui sort de l'école et qui se précipite sur la dame et qui la prend dans les bras. Et là, on se dit, c'est bon, cette petite fille, elle est bien. Voilà, j'ai jamais vu un enfant. On voit un peu les petits qui peuvent s'attacher à leur maîtresse, leur institutrice. Ils ont besoin de cette affectivité. Et, alors, c'est un des trucs d'ailleurs que je trouve dans l'attachement. Enfin, ça me fait mal quand on voit que les petits humains s'attachent pour leur survie. Ils ont besoin de la figure d'attachement pour ça. Il y a un côté utilitariste de l'attachement. Alors que c'est juste tellement bon d'être bien avec des gens, de les aimer, de leur manifester cet amour et que ce soit réciproque. On a vraiment besoin de penser que ça doit être utile. C'est curieux de rabaisser en fait l'affectif de cette façon-là. Et moi, ce que je trouve édifiant, c'est qu'on classe les types d'attachement en sécure, insécure. Je ne me rappelle plus exactement de la nomenclature et des termes exacts. Mais ce qui me frappe dans attachement insécure, c'est que l'enfant, il va s'attacher de toute manière, même si c'est dans la souffrance, en fait. Et je trouve ça assez terrifiant parce que, effectivement, comme tu le dis, c'est un besoin vital. Et même si ça se fait dans la souffrance, dans l'insécurité, ben, l'attachement se fera quand même. Et, on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix, ouais, c'est ça. Alors, il y a notre ministre de l'Éducation nationale qui dit que. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, malgré ces théories qui semblent admises, mais peut-être pas tant que ça, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois avoir vu un numéro de Sciences humaines ou quelque part à côté de moi sur les théories d'attachement, où on en est, ça n'a pas l'air évident pour tout le monde. Hein. Et il y a encore… 3-4 ans, c'est tard quand même. Hein. Comment ? 3-4 ans sans bosser, en gros, c'est ça, hein, l'idée, ça fait beaucoup. Oui. Mais alors, donc, dans cette théorie, il y a beaucoup de psy encore qui pensent que l'enfant peut comprendre très tôt que papa ou maman reviendront. Je pense notamment au sommeil, où il y a beaucoup d'éducateurs au sommeil, isolés et seuls, bien sûr, dans une chambre à part ou dans un lit à part. Qui pensent que l'enfant peut très bien comprendre qu'il n'est plus au paléolithique et qu'il est dans un endroit où il est en sécurité et qu'il ne lui arrivera rien. Et ça, il pourrait le faire très, très tôt. On le lit, hein, on le lit vraiment beaucoup. Oui, c'est très, très bien. On lit aussi que l'enfant, non seulement peut comprendre que son parent va revenir, mais on lit aussi que la séparation, c'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est positif pour le développement, c'est structurant, c'est positif pour l'autonomie. Et encore il y a peu, le ministre de l'Éducation nationale qui dit, il dit qu'il y a des recherches. Hein. Moi, j'aimerais bien les voir, ces recherches, hein, parce que vraiment, ça m'intéresse de voir quelles sont les conditions dans lesquelles on établit de tels résultats, qui disent que qui dit que c'est positif pour les enfants, c'est très très bon pour eux, la socialisation dès 2 ans et demi, 3 ans, c'est très bien quoi. Moi, je dis pas que c'est faux, que la socialisation ce soit pas bon. Je pense même que des attachements multiples. Non, l'école, excuse-moi de t'interrompre, l'école idest la socialisation, comme si celle-ci était impossible ailleurs qu'à l'école. Voilà. Bah déjà, justement, l'école, ce n'est pas terrible comme lieu de socialisation parce qu'il n'y a qu'une figure d'attachement adulte possible ou deux quand il y a une assistante maternelle, quand on est à la maternelle, pour je ne sais pas combien de gamins. Donc, on demande à n'importe quelle mère de famille qui a plusieurs enfants comment elle fait, bah elle dit qu'elle n'y arrive pas. Donc, n'importe quel papa, pareil. Donc, quand il y a 2 parents et qu'il y a plus de 2 enfants, c'est pareil, ils sont débordés. Donc, une adulte avec 15 enfants qu'elle n'a même pas appris à connaître au fur et à mesure et donc elle doit les connaître tous ensemble d'un seul coup, ce n'est pas possible. Il y a,
moi, ce que je trouve hallucinant dans cette histoire d'école, c'est qu'on n'a pas du tout de notion de progressivité, de construction, de choses qui se fait dans le temps, où on a tranquillement tout ce dont on a besoin à disposition l'un envers l'autre. Je ne sais pas, moi, j'ai connu par exemple des femmes qui disaient que leur compagnon était resté tellement loin de leur enfant, qui s'était perdu dans son boulot et qu'il n'était pas très très présent, qu'elles ne pouvaient pas laisser leur enfant 24 heures avec lui parce qu'ils ne connaîtraient pas toutes les petites choses dont pouvait avoir besoin cet enfant. Ils s'en sortiraient, bien sûr, l'un comme l'autre. Ils ne mourraient pas de faim et on pense que ça ne se terminerait pas au commissariat ou à l'hôpital. Mais à quel prix ? Enfin, parce que ne pas comprendre ce que veut un petit, ou aussi, on a souvent cette problématique quand les enfants sont allaités et que les papas savent très bien qu'ils n'ont pas de sein. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui vont accepter quand même de rester avec le papa et d'autres qui vont catégoriquement refuser, ça sera que maman pendant un certain temps. Alors, on peut toujours aller ergoter sur les mères abusives, protectrices et je sais pas quoi. Mais les mamans aussi, elles aimeraient bien pouvoir aller prendre le thé et passer quelques minutes à prendre leur douche tranquille ou tout ça. Et des fois, non. On ne sait pas trop bien pourquoi ça donne ça. Mais c'est clair que l'attachement, il ne se construit pas sur commande, en fait. Et il ne se construit pas avec une personne qui n'est pas disponible. Les enfants vont toujours aller là où c'est le plus facile. Et clairement, à l'école, ben, ce n'est pas facile du tout. Donc, il y a peut-être effectivement quelques enfants qui ont un souvenir incroyable de leur maîtresse, mais il y en a aussi beaucoup qui vont juste attendre. Ça, ce n'est pas de la séparation, ça, l'attente. C'est attendre. C'est on se suspend dans le temps, on reste dans le néant. Tu es là, tu ne sais pas ce que tu fais là, tu es à l'école. Bon, et puis voilà, le temps passe, ou pas d'ailleurs. Il n'y a juste plus rien. C'est la brume, on est oublié, on nous a oublié. Puis au bout d'un... L'abandon, vraiment. Et puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un. Ah, ouf, ça y est, c'est fini. Et ça crée un stress dans le corps qui est vraiment perceptible. Hein. Moi, je le vois. Le corps devient dur, on s'empêche de respirer. Beaucoup de gens, par exemple, retiennent la respiration. Quand en thérapie, on voit ça, tous ces blocages dans le corps de tous les gens qui n'ont pas vécu en fait pendant ce temps-là, au point qu'ils n'ont pas respiré. Il y a juste un petit filet qui s'échappe et qui rentre un minimum parce que ben on a quand même, oui, l'oxygène, mais on respire pas à plein poumon. On n'est pas, on n'a plus rien d'épanoui. C'est aberrant. C'est terrible ce que tu racontes. Enfin, on a un petit peu parlé quand on s'est parlé. Il y a quelques jours, ce que tu décris là, enfin moi je sais en tout cas que ça me parle énormément, cette idée de brume, d'attendre, juste d'attendre. Et ce que je t'avais dit, c'est que, tu avais dit, on ne sait pas pourquoi on est là. Et ça m'a vraiment frappée parce que c'est exactement dans les rares souvenirs que j'ai de cette période de 3, 4 ans, 5 ans. C'est juste de ne pas comprendre pourquoi je suis là. C'était un non-sens absolu. Et ce dont je me rappelle aussi, c'était de l'absence. Je me rappelle pas de relations avec des institutrices. J'ai des questions qui commencent à arriver. D'ailleurs, je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser des questions que vous voulez à Valérie. Elle adore répondre aux questions, Valérie. Il y a une question très, très pertinente là, de Victorine qui dit « Mais alors, pourquoi demande-t-on dans les écoles aux enseignants de ne pas s'attacher ou de ne pas créer d'attachement, de lien avec les enfants ?» J'en profite pour dire, entre parenthèses, que c'est aussi quelque chose qu'on fait dans la protection de l'enfance, les familles d'accueil. On trimballe les enfants d'une famille à une autre pour qu'ils ne s'attachent pas. Donc, c'est quelque chose qui revient vraiment dans les discours de l'éducation nationale, dans la protection de l'enfance aussi, manifestement. C'est il ne faut pas que les enfants s'attachent. C'est aussi quelque chose qu'on demande, par exemple, aux nounous, à toutes les assistantes maternelles.
Bah, la raison, elle est simple, hein. On l'a vu dès le départ, c'est que l'attachement, dans une construction, on va dire, égologique idéale, c'est-à-dire l'apparition de ce moi qui va devoir apprendre à fonctionner avec le monde réel et quotidien, on est tellement adaptable qu'on peut vivre toutes sortes de situations. Mais le contexte habituel dans lequel on aura besoin d'évoluer, on va finir par se concentrer, par se spécialiser là-dessus. Et les meilleures personnes qui peuvent nous introduire à la façon dont ça fonctionne, je ne sais pas de où est le frigo, à comment aller aux toilettes, en passant par où est-ce que tu habites, ou comment marche un téléphone, bon, bah, ça, on va l'apprendre que dans un certain contexte avec certaines personnes. Ces personnes sont nos figures d'attachement. Et ça se fait petit à petit. Ils ne vont pas nous apprendre tout ça en une journée à la rentrée. Ils vont nous apprendre ça sur des jours, des semaines, des mois, des années, au fur et à mesure de nos besoins, des leurs et de la façon dont on s'adapte les uns aux autres. Donc, quand on dit aux gens « ne vous attachez pas », en fait, ce qu'on leur dit, c'est « ne laissez pas entrer dans votre monde et n'entrez pas dans le leur, hein, parce que ça va vous engager. » On le sait, ça va vous engager pour la vie, en fait. L'engagement que tout parent prend avec ses enfants. Et on sait très bien que comme ça ne va pas durer, ben, c'est un peu le truc de… je ne vais pas être déçue si je m'attends à rien. Donc, on s'interdit, en fait, de retirer un bénéfice de cette rencontre, parce que quand la rencontre va s'interrompre, ben, ça fera moins mal. Et en fait, on pratique le détachement forcé, mais dès le départ. Et ça nous empoisonne, mais vraiment très, très gravement dans notre monde, ce genre de truc. Du coup, il y a plein de gens qui sont incapables de s'engager dans une relation, tout simplement. Parce que, ben, de toute façon, ça ne va pas durer, ça ne vaut pas le coup. Et ça se joue à toutes sortes de niveaux, en fait. Et c'est vrai que moi, j'avais vu ça avec des nounous débutantes qui disaient ben, « on ne peut pas, c'est pas possible, on s'attache aux enfants ». Et les enfants sont contents. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que ça se passe bien, quand ça doit bien se passer. Sauf que c'est vrai que c'est tellement douloureux. Mais c'est un peu ce que disent les gens qui perdent un animal domestique. Hein. Ils ont eu un chat et c'était l'amour de leur vie. 20 ans plus tard, le chat meurt. Et c'est triste parce que les chats vivent moins longtemps que nous. C'est insupportable. Et il y a plein de gens qui disent ben « moi, je ne reprendrai plus jamais. » Parce que ça fait trop mal. Donc, on est handicapé de l'amour, hein, une fois de plus. Parce qu'on ne veut pas avoir mal, en fait. Mais si on ne veut pas avoir mal, c'est qu'on a eu mal. Parce qu'on a tellement vécu d'attachement en pointillé, détachement en pointillé, de tellement d'absence, tellement d'abandon, des dizaines de fois par jour. Des fois, on peut être abandonné à la maison quand on est un petit. Je ne sais pas si tu le vois dans les interactions, des fois, de gens en train de parler avec leur enfant. Et puis, tout à coup, il y a un autre adulte ou la copine ou le téléphone. Et clac, on se décroche. Et le bébé, il a l'impression de tomber dans le vide. Mais nous, il ne s'est juste rien passé. On a juste répondu au téléphone. Et les petits sont extrêmement sensibles à ça. Donc, au bout d'un moment, ils se ferment, ils se blindent. Et de même, en fait, ils impriment le non-attachement d'emblée pour ne pas avoir à se détacher brutalement et en plus sans en être... initiateur, parce que c'est celui qui coupe le lien, qui a pas mal, en fait. J'ai un commentaire de Charlotte. Elle dit qu'elle trouve que dans cette société patriarcale et séparatiste, hein, c'est très dur pour les parents de pouvoir créer ce tissu social bénéfique pour les enfants et pour les adultes. Et ce que tu dis là, ça me fait penser à ça, parce qu'effectivement... tout le monde est en mode survie, là, du coup. Ben quand même, hein. On a beau se dire « là, je profite », c'est vraiment compliqué parce que tout devient beaucoup plus compliqué. Au lieu d'avoir ta copine, ta voisine, ta mère, ton père, ton grand-père, enfin tout le monde qui fonctionne bien ensemble. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y avait une emprise tellement forte, juste, c'est important l'histoire de la société patriarcale, il y avait une emprise tellement forte homme sur femme, que j'ai l'impression que dans un mouvement social, si on n'avait pas pu s'affranchir du clan familial omniprésent avec la loi du père tout là-haut qui dirige tout le monde, les femmes n'auraient pas pu se libérer. Et à un moment, il reste plus que l'homme à se libérer. Ça en fait de moins en moins.
hein, du temps où les femmes, elles n'avaient pas le choix. Il fallait soit dépendre du père, soit dépendre du mari. Donc finalement, on a pris le mari parce que c'était moins pire. Puis bon, finalement, le mari, ben, ça serait peut-être bien d'être juste nous-mêmes, en fait. Mais une fois qu'on est nous-mêmes et qu'on est tout seul, on se retrouve comme des andouilles. Enfin, c'est quand même mieux de finalement de s'apprécier, que ce soit homme, femme, père, mère, mari, fils, enfant, peu importe. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On a eu ce mouvement de libération où la famille s'est réduite de plus en plus jusqu'à ce qu'on croit que l'autonomie, c'était ça. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Donc voilà, là, on fait le constat. On a mené, du coup, le patriarcat, il est toujours là dans des formes absolument terribles de hiérarchie pyramidale, verticale, de sachant et de décideur là-haut et de d'injonctions économiques survivalistes absolument terrifiantes. Et de toute façon, on se retrouve toujours aussi peu libre de, bah, effectivement, de construire des liens satisfaisants pour tout le monde. Un lien satisfaisant seulement pour une personne, ça, c'est un leurre total. C'est pour ça que les mamans qui pensent qu'elles doivent se sacrifier pour que leur enfant aille bien, faut qu'elles arrêtent. Faut aller bien soi aussi. Alors, comment on pourrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait retrouver, créer ce tissu social bénéfique et pour les enfants et pour les adultes, comme le dit Charlotte, hein? Ouais, on y travaille. Hein. On y travaille. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, en fait, dans le fait que tu le vois aussi, hein. Nos enfants ont quand même, on voit un mouvement général sur des générations du fait que justement cette fameuse emprise patriarcale, elle s'est quand même amoindrie, que les gens n'ont plus le droit de vie ou de mort sur leurs enfants et que finalement, globalement, les nouvelles générations sont de plus en plus en recherche de ça, de leur identité, de leur mode de vie, que la violence, ben, c'est quand même pas bien vu du tout, qu'il y a plein de choses comme ça. Les jeunes d'aujourd'hui, pour eux, il y a des choses qui sont d'emblée, ben non, c'est pas possible qu'un mec parle comme ça à une nana. Ils n'ont pas envie d'être ce dragueur, ce stalker, le type qui lâche pas la fille et qu'il comprend même pas pourquoi elle veut pas lui. Ça progresse, mais globalement. Et on peut se dire qu'on aura contribué à notre part, que peut-être nos enfants auront un peu moins de mal à vivre des relations où dès que l'autre ne répond pas au téléphone, ils sont abandonnés, ou des relations où ils se disent « il ne faut pas que je m'attache parce que comme ça, quand on va se quitter, ben, on ne se plaira plus ». Peut-être, peut-être. Ils sont en recherche en tout cas. Moi, je sens beaucoup, beaucoup de recherche chez les ados, les jeunes adultes. Ils s'expliquent beaucoup, ils méditent, ils parlent. Il y a déjà des expérimentations, hein, parce que dans cette idée que, enfin, de créer du tissu social bénéfique, on peut très bien être frustré en se disant, ben, le capitalisme capture les copains qui sont au travail toute la journée, l'école capture les copains qui sont à l'école toute la journée. Nous, on aimerait bien, justement, comment on fait? Et il y a des expérimentations et typiquement les familles qui ne pratiquent pas, qui pratiquent pas l'école, enfin qui pratiquent l'instruction. Alors en famille, c'est très réducteur finalement cette expression d'instruction en famille ou école à la maison, parce que ça donne l'idée qu'on ne sort pas de la maison ou qu'on ne sort pas de la famille, alors que c'est faux, tout à fait. Comment c'est l'inverse qui se produit? Voilà, c'est justement l'inverse qui se produit. Et enfin, moi, je parle pour le groupe social, le tissu social que je fréquente en région parisienne, qui est très, très dense, très serré. Et on a cette chance-là, nous, d'avoir pu créer ces liens avec des gens qui ne sont pas capturés par l'école. Mais c'est vrai que si on est dans un lieu... dans une zone géographique où il y a très peu de femmes qui pratiquent le maternage proximal, qui prennent un congé parental, qui choisissent de s'occuper de leur enfant plutôt que de le mettre reprendre le travail, de remettre en crèche, ou voir des personnes qui pensent que ça peut aller au-delà, cette présence continue auprès de ces enfants et donc qui choisissent de ne pas les scolariser du tout. Il y a des zones, on n'a pas ça et on est très, très seul. Oui, c'est terrible. Alors,
L'idée, c'est qu'il suffit quand même de très peu, finalement, de liens au-delà de la famille, mais ces liens, ils vont être profonds et intéressants. Mais on espère qu'on peut tomber dessus. Et c'est vrai que ça peut demander de changer de vie. On connaît hein, des gens qui ont changé de vie juste parce que comme ça, c'était pas possible. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant parce que quand les gens sont motivés par ce qu'ils ressentent finalement comme étant ce qui est bon pour eux tous, pour la famille, aussi bien pour eux que pour leurs enfants, ce changement de vie, il va quand même être plus facile à mettre en œuvre que si on est contraint et forcé, en quelque sorte. Ce qui est un peu ce que vivent en ce moment des millions de personnes, d'ailleurs, vu la crise sociale, sanitaire, économique, et en fait politique, parce qu'on a fait des choix de société qui nous mènent à ça, à ce qui est une emprise toujours plus forte par obligation de survie, au lieu de vivre. Et à un moment, il faut qu'on dise stop, nous, on vit. Et si on ne se défait pas de cette emprise-là, ça va être compliqué, effectivement, de se donner des conditions de vie, tout simplement, où on a le temps de s'attacher, où être présent, c'est quelque chose de naturel et de simple. Et avec le projet de loi du président, qui a annoncé le président de la République, là, de rendre l'instruction à l'école obligatoire, alors que jusqu'à maintenant, l'instruction pouvait très bien se faire en dehors de l'école, l'étau se referme, quoi. Complètement. Alors voilà. Qu'il n'était pas bien ouvert, puisque de toute façon, quand même, une immense majorité des gens... se sont pas donné d'autres possibilités. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on prend un crédit, on s'achète la maison, l'appart, le truc, le machin, ben on se retrouve à être deux à devoir bosser pour payer tout ça. On peut pas du jour au lendemain tout arrêter comme ça parce qu'on se rend compte que notre enfant a besoin de nous. C'est terrible. Il y a des gens qui vivent des situations dramatiques parce que ça, on l'a vu en réunion, des femmes qui pleurent parce qu'elles savent qu'elles vont prendre le boulot. Et qu'avant que l'enfant soit là, elle ne s'était jamais rendue compte que ce n'était pas du tout une priorité de bosser. Et c'est cette détresse des mères aussi. Hein, une détresse très, très forte. Oui, oui. Alors qu'il y en a beaucoup qui pourraient en plus... je pense qu'il y a des situations professionnelles où les enfants pourraient aussi bien être là ou à côté. On l'a vu, hein, les femmes ont toujours tout fait avec les enfants pas loin, tant qu'ils étaient petits. Et il y a quand même assez peu de circonstances où la présence de l'enfant est totalement handicapante. On pourrait imaginer que les entreprises ne soient pas ces lieux cloisonnés, séparés et totalement hermétiques à la chose enfant. Moi, je trouve ça hallucinant qu'on en soit à nous demander de bosser quand même chez nous et que les enfants doivent disparaître de l'écran. Alors du coup, oui. Il y a des ratés de « Ah, il y a un enfant, ça, alors !» Alors, on est dans une société... On est dans une société non seulement séparatiste du point de vue que tu nous as expliqué, Valérie, mais en plus, on est dans une société pas child-friendly, pas amie des enfants. Ça, on va en parler cet après-midi avec Charlotte, Marchandise, Viviane Roche et... j'ai oublié, au secours, aidez-moi. et Anne-Marie Renas, pardon. Et donc, effectivement, une société où les enfants doivent être rangés dans un lieu, les parents dans un autre lieu. Et dès qu'il y a l'irruption d'un enfant, c'est à la souris, quoi. C'est panique à bord. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus du tout, en fait, s'accommoder de la présence d'un enfant, vivre à côté d'un enfant. Si ce n'est pas sous contrôle, parce que c'est en fait la condition. Et à ce moment-là, il faut que ça soit sous contrôle. Donc à ce moment-là, on met des conditions et le fameux amour inconditionnel dans cette présence qui fait que... Alors qu'en fait, cet amour inconditionnel, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure à propos de présence. C'est vraiment ce qui fait qu'on se sent vraiment en sécurité. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans la relation... Quelle que soit la façon dont le lien soit secoué, et ça peut arriver, et ça arrive, et ça arrivera, il y a cet amour inconditionnel qui fait que je reviens vers toi, tu reviens vers moi, et on se dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais que ça ne remet pas en cause fondamentalement ce qu'on vit
et ce qu'on est, parce que amour inconditionnel. Alors que dès qu'il y a justement présence sous contrôle, l'amour il devient au compte-gouttes, parce que on croit que là on est bien, donc on a mérité d'en avoir un peu. Il y a ça qui joue aussi après pour empoisonner les relations, celui qui fait le bon enfant par rapport à son frère ou à sa sœur qui fait des conneries et qui donc pense qu'il mérite plus d'amour que l'autre. Enfin, après, tout devient calcul, c'est insupportable. C'est plus de l'amour inconditionnel dès qu'il y a du calcul. Et donc, c'est aussi quelque chose qui protège plus tard. Moi, j'ai entendu des enfants dire, quand ils étaient ados, qu'ils étaient confrontés à des expériences un peu à risque, ils ont dit, ben, en fait, non. Il y a cette petite voix en eux qui est le lien d'amour inconditionnel qui leur a dit, là, tu te mets en danger. Et non, je ne veux pas me mettre en danger, je ne veux pas faire de peine à mon papa et à ma maman parce qu'ils seraient trop tristes que je sois là-dedans, en fait. Il y a vraiment une protection de ça qui s'étend bien au-delà du moment qu'on passe ensemble et des quelques années qui sont finalement pas si longues, hein, qu'on passe ensemble avant qu'ils soient loin, parce que contrairement à ce que croient les gens, le détachement n'est pas du tout quelque chose qu'on force. Le détachement, c'est le mouvement naturel de la vie, des choses qui grandissent, des fruits qui tombent, des graines qui vont ailleurs. Enfin, tout est comme ça et les enfants font pas exception, au contraire. Mais quand ils vont loin de nous, qu'ils font leurs expériences loin de nous, et qu'ils ont eu tout ça en eux, même si on l'a fait en bricolant parce qu'on n'était pas dans les conditions idéales pour le faire, on voit bien qu'ils le portent encore en eux et que ça les protège et que du coup, il y a quelque chose dans leur relation autre que nous. Moi, j'ai une fille aînée, elle est incroyable de talent, de diplomatie, elle m'épate, quoi. J'ai l'impression d'avoir la théorie, mais qu'elle, elle a la pratique. C'est génial de voir ça. Donc oui, on a vraiment intérêt à faire ça. Et à l'inverse, quand on est dans ce détachement, dans cette pression, dans cette lancée patriarcale qui va nous écraser, là, avec le petit Macron qui est même pas barbu, c'est un peu... il pourra au moins la porter, tu sais, façon 19e avec son chapeau et son gros cigare, là. Mais non, il fait même pas ça. Il va nous écraser jusqu'au bout, celui-là. Il est terrifiant. Et donc, on a tout le poids de l'adultisme. Il y a le patriarcat, puis il y a l'adultisme aussi. Tout ce truc qui fait que constamment, donc là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, là, de l'enfant sous contrôle, constamment, l'enfant ne doit l'ouvrir que quand on lui dit de l'ouvrir. Moi, ça me rappelle quand j'étais petite et qu'il y avait certains endroits où on n'avait pas le droit de parler à table quand on était un enfant. Mais en fait, des trucs comme ça, il y en a toujours, il y en a partout. Et là où ça devient vicelard de nos jours, c'est qu'on leur dit, c'est pour votre bien, comme cette histoire d'aller à l'école à 3 ans. C'est même plus, tu t'écrases et puis voilà, au moins on avait de quoi se rebeller. Ça va pas, non? Là, c'est pour ton bien. Ah ouais, d'accord, alors bon, je vais subir parce que c'est pour moi. Ils sont un peu trop mignons des fois, les enfants aussi, je trouve. J'ai d'autres questions ou commentaires à te faire remonter, Valérie. Oui, oui. Pardon ? Arrêtez-moi si je m'emballe, hein, si ça devient trop. Oui. Quelqu'un demande si l'enfance, les enfants, leurs besoins, est-ce que ce ne serait pas le tout dernier vrai continent noir à explorer ? Moi, je profite de cette question pour en rajouter une autre au bout, qui serait, est-ce que tu... Enfin, parlant de continent noir, est-ce que tu pourrais nous parler de l'ego ? De ce que c'est que l'ego et de cette espèce de continent noir. Enfin, réponds d'abord à la première question, peut-être. Ben, moi, j'ai l'impression, tu sais, on en parlait justement sur cette fameuse emprise patriarcale où les femmes regagnent peu à peu du terrain. Bon, même si dans les faits, c'est loin d'être accompli, hein, il y a encore beaucoup trop de situations compliquées. Il y a les violences conjugales dont on parle régulièrement. Il y a tout ça, mais les enfants, ils ont même pas, on n'entend pas beaucoup leur de porte-parole parce qu'ils ont il y a toute la partie enfant, ça veut dire ne pas parler d'ailleurs, étymologiquement. Donc un enfant, il parle pas d'emblée. Voilà, on est au courant, c'est Philippe Ariès qui parle de ça, historien. Et qui parle pour les enfants? Moi, j'écoute beaucoup de débats politiques, j'ai lu beaucoup de choses sur justement le fameux continent noir
dans la vie, chez nos décideurs, et ça les préoccupe absolument pas, le sort des enfants, comme si c'était bouclé, quoi. C'est bon, on sait de quoi ils ont besoin, c'est l'école, c'est ça, c'est la santé, c'est que des choses pratiques, en fait, on pourrait presque dire de caregiver, mais en plus de caregiver institutionnel et en costume bleu, donc c'est un peu inquiétant, hein, ce qu'ils veulent nous prodiguer comme soin. Et c'est vraiment la libération de l'enfant, elle est encore à venir. Parce qu'elle ne peut se faire, en fait, que s'il a près de lui des gens, eux-mêmes, dans une liberté, dans un sentiment de leur liberté suffisamment fort pour que ce soit finalement insupportable de transmettre les obligations et les attentes adultistes d'une société assez oppressante à cet enfant. Et ça, je pense qu'en tant que parents qui avons pu faire des choix autres, on l'a tous ressenti à un moment que ces choix se faisaient contre la volonté d'une société qui aurait voulu qu'il n'y ait pas une seule tête qui dépasse. Donc effectivement, on a un énorme travail là-dessus. Mais si on a trouvé l'énergie de le faire, ben, on trouvera l'énergie d'aller plus loin, j'espère. Et on a vraiment intérêt à se regrouper pour ça, à se sentir. On l'a peut-être tous expérimenté, ça aussi, à quel point se retrouver seul face à ses choix, ça les rendait quasiment infaisables. Il suffisait de partager avec quelqu'un qui « Ah oui, moi aussi, j'ai envie de ça, ou j'ai fait ça, ou j'ai expérimenté ça », pour se dire « Oui, ben, je peux dormir avec mon enfant, oui, je peux ne pas l'envoyer à l'école à cet âge-là, oui, même si je suis pas… » Il y a beaucoup de gens, par exemple, par rapport à l'école, qui disent « Mais moi, je suis pas professeur, je suis pas instituteur, comment je vais faire pour apprendre des choses à mon enfant ?» Ne vous inquiétez pas, les enfants apprennent. On l'a vu aussi pendant le confinement, où les gens ont subi en fait une scolarisation à domicile forcée, et tous ceux qui sont devenus fous parce qu'ils n'en pouvaient plus de faire tout ce qui se faisait à l'école. Mais on n'est pas à l'école, justement, c'est l'intérêt, on est autre chose. Et puis, il y en a qui ont appris à se détendre et qui y ont même pris goût. C'est peut-être pour ça aussi que l'obligation du cours attrape le fait que beaucoup de gens se disent bah, « Après tout, mon enfant, il est bien avec moi ». Et ça fait très peur, hein, parce que des gens bien, c'est des gens libres. Et des gens libres, c'est des gens qui ne sont pas forcément d'accord quand on veut leur faire faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Et c'est ça, la autonomie. C'est ce que tu dis m'évoque l'importance et la valeur de l'exemple, enfin de l'exemple, pas au sens exemplaire, mais de quelqu'un qui te montre une autre façon de vivre, en fait, et de l'expérience. C'est-à-dire d'aller ressentir ce qui se passe dans les écoles pour éventuellement en comprendre l'absurdité ou que sais-je. Et il y a cette représentation très rigolote où on voit des allumettes qui sont brûlées et il y en a une qui est plus courte que les autres, donc elle échappe au feu. Et du coup, elle empêche le feu de se propager à celles qui sont derrière. Donc voilà, il y a une tête qui dépasse vers le bas et ça préserve les autres. En fait, il suffit donc qu'il y en ait un qui fasse une proposition de mode de vie alternatif, mode de vie, pour que l'autre, soit inspiré dans ce mode de vie alternatif. C'est contagieux. La liberté est contagieuse. Voilà, l'oppression a beaucoup de travail, d'autant plus que c'est notre nature. Amour inconditionnel, présence, paix, liberté, enfin, tout ça, ça va ensemble. Et c'est pour ça que le respect de notre enfant, on pense qu'on a juste choisi d'accoucher tranquillement, sans péridurale, si possible, et puis on se retrouve à faire une révolution parce que c'est invivable tel quel. Parce que c'est bien joli que nos enfants aient peut-être moins d'angoisse et de sentiments d'abandon et de pression en eux, parce que mine de rien, on s'est débrouillé pour que ça se passe plus tranquillement que pour d'autres. Mais ça ne veut pas dire que la société autour d'eux va leur proposer des choses intéressantes. Au contraire même, simplement on n'est pas dupes. Et c'est ce que me disait aussi mon fils il n'y a pas longtemps. Mais qu'est-ce que c'est difficile de trouver des gens qui vont bien et de faire des choses avec eux et
Alors, que ça se passe simplement, quoi. C'est... Exactement. Moi, j'aimerais bien que tu puisses nous parler de ça. Alors, dans la continuité de la question sur le continent à explorer, moi, j'aurais bien aimé que tu nous disais un petit peu quelques mots sur l'ego, parce que j'ai le sentiment que dans cette notion d'ego, dans cet objet, dans ce joue tout ce flou, ce mystère qui fait qu'on ne comprend pas ce que c'est que les besoins d'un enfant et qu'il y a des conséquences, de telles conséquences sur toute notre vie, sur notre vie d'adulte, hein, ce qui est en lien avec ce que tu viens de dire, ton fils qui te disait que c'est difficile de trouver des gens qui vont bien. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça? Et c'est terrible, il y a 1000 questions et j'ai 1000 questions. Et j'aimerais après qu'on parle aussi d'instruction, mais déjà, si tu peux répondre un petit peu sur l'ego, nous parler de l'ego. L'ego, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas ce que c'est. C'est amusant parce que l'ego, si j'ai demandé, hein, quand je me suis lancée dans ce travail d'écriture, qu'est-ce que c'est? Et effectivement, en donner une définition, c'est très compliqué. Mais c'est quand même quelque chose dont on a tous l'expérience quand on dit, quand on pense, quand on sent « moi ». En même temps, ce n'est pas du tout quelque chose qui nous est étranger ou inconnu. On a tous une notion d'ego, un sentiment d'ego, une valeur de l'ego aussi. Et on se rend compte, en fait, ça dans le travail de thérapie, que la constante, c'est que cet ego, il est incontournable. C'est comme si, dans ce mouvement de détachement qu'on avait vu de nos sociétés, on avait aussi mis cet ego à distance et que, en fait, ça le rendait malheureux. L'ego, en nous, c'est l'enfant et c'est aussi l'aspiration à la liberté. Enfin, c'est tout ce à quoi aspirent les enfants et vers quoi ils nous emmènent. Parce qu'un enfant qui vient au monde, il s'attend à être libre, heureux, à avoir des rapports humains satisfaisants, à vivre des aventures. La vraie vie, pour résumer ça. Et l'ego, c'est un peu celui qui est le héros qui va s'engager dans cette vraie vie. Et au bout d'un moment, assez rapidement en général, les enfants comprennent que pas du tout. Il va falloir obéir. Et là, c'est juste incompréhensible. Et là, on tombe dans l'éternelle négociation de « est-ce que j'aurai le droit à un peu de vraie vie si j'obéis là ?» Alors, il y a les rebelles pour qui il est juste hors de question de temporiser, mais il n'y en a pas tant que ça. Puis, il y a tous ceux qui espèrent que s'ils obéissent assez, les conditions d'amour, pour finir, ils auront droit à la vraie vie, mais toujours plus tard. Et je veux dire, ça fait des milliers d'années qu'on se fait entuber là-dessus. Qu'on nous fait croire que l'ego est quelque chose d'illégitime, de mauvais, qui ne pense qu'à lui. Bah, c'est ce qui devient pour finir tellement il se fait avoir. Mais ce n'est pas du tout notre nature. Et les gens, quand ils vont bien, un enfant qui va bien, un enfant à qui un autre enfant demande « tu peux me prêter ton seau et ta pelle ?» Et s'ils ne savent pas parler, ils font comme ça avec la tête, ils montent le truc, ils se démerdent, quoi. Et l'autre, il va prêter le seau et la pelle. Pourquoi il voudrait se la garder pour lui ? Par contre, si l'autre enfant, il arrive, qu'il arrache le seau et la pelle des mains du petit qui est en train de jouer avec, qui ne comprend pas du tout ce qui se passe, et que la mère du petit lui dit « prête ton seau et ta pelle à ton petit frère, ta petite sœur ou l'autre gamin », forcément, l'ego, il n'est pas d'accord avec ça. Mais moi, je viens chez toi, je te prends ta bagnole, ta carte bleue et je pique ton frigo, tu n'es peut-être pas d'accord non plus. Donc, voilà comment on traite les égos, et après, on dit « mais quand même, il se défend, non mais c'est dingue ça ». Donc voilà, l'ego, c'est ce truc qui nous sert à vivre dans la vie de tous les jours, qui essaye de comprendre comment ça marche, et à qui on a imposé des règles tellement injustes que il n'est pas forcément d'accord, ou alors il est d'accord, mais bon, il y a un peu de travers, quoi. Donc voilà, on fait des compromis avec tout ça. Et l'ego, c'est un peu notre programme, notre programmation, mais c'est aussi le programmeur. Tu sais, Matrix, là, je décide de sortir de tout ça. C'est que j'ai revu il n'y a pas longtemps, ce film est vraiment génial. J'adore. Donc voilà, l'ego, c'est celui qui te dit que ça va peut-être être compliqué, mais finalement, je vais prendre la pilule pour sortir de la matrice là. Parce qu'on a tous une aspiration à ça. Et on a beau parler de libération, de spiritualité, de bien-être, ou juste le quotidien, ça ne se fera jamais si notre ego n'est pas d'accord. Donc on a intérêt à le chouchouter, cet ego, parce qu'il en a vécu des trucs. Il ne voulait pas être le mal-aimé de l'histoire, lui. Tu parles souvent d'ego mal portant pour les... Oui, c'est celui qui a oublié, qui a perdu, qui a... Donc, il est un peu crispé, quoi. Mais c'est comme nous, quand on a mal,
qu'on est grognon, qu'on déteste tout le monde, qu'on veut rester sous la couette, et si quelqu'un nous parle, on fait mais, mais on regrette en fait, on veut pas. Mais si on en est à un stade où le regret n'est même plus possible parce que c'est trop compliqué en fait, des fois, de se dire, de demander pardon. Alors on se bute, on peut se fâcher avec des gens pendant des années comme ça. Juste parce que on est resté dans notre coin, ils sont restés dans leur coin, mais on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Donc voilà, l'ego c'est nous, et l'ego il est comme les enfants qui vont pas bien, hein, comme les mamans qui disent que leur bébé veut pas rester dans les bras, mais en fait il veut les bras, mais il veut pas les perdre, alors il préfère pas y être du tout. Ou les parents qui font l'expérience du sommeil partagé, par exemple, pour la première fois, alors qu'ils ont essayé de forcer leur enfant à dormir tout seul pendant des mois. Et du coup, l'enfant, personne ne dort quand tout le monde revient à dormir ensemble. Donc, ils se disent, ah ben non, pour nous, ça ne marche pas, il veut dormir tout seul. Non, mais quand on a tiré, distordu, bousculé les liens, ils ne vont pas redevenir souples et élastiques. Hein. C'est comme un corps dans une mauvaise position. L'ego, il a aussi une correspondance dans le physique qui est très parlante, en fait. Et c'est pour ça que les thérapies psychocorporelles sont super intéressantes. C'est que la façon dont je respire, la façon dont je me tiens, la façon dont je ne me tiens pas, justement, ou la façon dont je me fige, elle va directement parler de moi. Alors, il y en a qui trichent avec ça parce qu'ils ont des coachs en communication et qu'ils ont appris qu'il fallait avoir telle et telle posture et tout. Mais on ne peut pas tricher au long cours avec ce genre de choses. Et puis surtout, on ne peut pas tricher avec le fait que quelqu'un montre de la joie, du bonheur et des choses comme ça, ou soit juste un emmerdeur fini et que ce soit inabordable d'aller vers cette personne parce qu'on sent qu'on va se ramasser ou qu'il va nous tomber quelque chose dessus. Enfin, on le ressent, on est vraiment, vraiment sensible, en fait. Donc, l'ego, c'est tout ça. Tu as une expression qui est intéressante. Tu parles du développement de l'ego. Il y a des stades de développement de l'ego. Et tu parles d'âge égologique. Et je t'ai souvent entendu dire que la majorité des gens aujourd'hui dans nos sociétés séparatistes, peut-être misopèdes aussi, pour en reprendre l'expression d'Olivier Morel, les gens, ils ont 3 ans d'âge égologique, 4 ans, et puis tel homme politique ou telle star du showbiz, enfin, telle vedette de la télé, elle en a 5 ou 6, enfin, voilà, c'est… Regarde-moi. Oui. Ça correspond. Elle est plus autorisée que les autres. Elle s'autorise davantage que le commun des mortels à avoir de l'ego. Tout à fait. Et du coup, on se sent reconnu par son intermédiaire, en fait. On profite un peu de son mana, de son… Oh, qu'est-ce qu'elle est bien. Mais quand je parle de cet âge égologique, en fait, je parle souvent de maturité. Enfin, ça correspond souvent à une maturité émotionnelle. Et donc, au vécu de l'angoisse, de l'abandon ou de la confiance en soi qui peut quand même être là, même si elle peut ne pas l'être à 100%, même s'il reste des conditions d'amour, il y a au moins de l'amour. Puis il y en a d'autres pour qui les conditions sont juste impossibles. Et puis, il y a les plus désespérés, on va dire, qui sont ceux pour qui c'est même plus un but, en fait. Ceux-là, c'est devenu des purs calculateurs, des Monsieur Smith, tout ça. Monsieur Smith, c'est… Excusez-moi, c'était une référence à Matrix, un film que nous vous conseillons donc toutes deux vivement de visionner si ce n'est déjà fait. Oui, l'âge égologique, il est important parce que justement, c'est ce qui fait que on va avoir encore en nous absolument intact toutes ces réactions à l'abandon en continu ou en pointillé, soit des gros traumatismes, soit une répétition de petits. Mais ça fait qu'en général, nos attentes par rapport aux autres sont assez irréalistes et que nous-mêmes, on va répondre à leurs attentes peut-être de manière éventuellement décalée, comme si on essayait d'avoir des garanties sur l'avenir et sur la relation, parce qu'on n'a pas eu la confiance et l'amour inconditionnel. Et quand on doute de la relation, on la met en danger, en fait. Et c'est vrai que ça demande une forme de foi dans l'autre,
qu'on ne peut plus avoir quand les blessures sont trop énormes. Donc, toutes nos relations deviennent compliquées. Il y a ça, il y a les relations, sur le, qui est un des principaux domaines dans lequel ça joue. Et il y a aussi beaucoup le domaine professionnel, où on ne se donne pas le droit de faire ce qu'on aime, parce que de toute façon, ça ne va pas marcher. Donc, on s'oblige à faire des choses, toutes ces contraintes, en se disant, pareil, plus tard, peut-être que ce sera possible, mais pour l'instant, non. Et on voit que dès qu'il y a une contrariété ou de la confusion ou quelque chose qui ne va pas, hop, on explose. Donc ça, c'est l'enfant de 2 ans. À 3-4 ans, il y en a qui se contrôlent un peu. On peut même essayer de se venger. Avant, non, c'est un peu tôt. Mais c'est compliqué. Parce que du coup, tant qu'on ne grandit pas, on attend des autres qui soient ce caregiver qui va nous donner... Le mode d'emploi, en fait, de la façon d'être grand. Mais si on n'a rencontré personne qui est grand autour de nous, comment on sait comment ça se comporte, un grand? On peut en avoir une idée, une intuition, parce que tout est déjà là aussi, mais il faut aller le chercher. Et pour ça, il faut se dire que notre ego, ben, il vaut peut-être le coup de s'exprimer. Mais si notre ego, si on est fâché avec nous-mêmes, on ne va jamais aller rien chercher du tout. On est en train de bouder à l'intérieur de nous pendant qu'on se dit tout va bien, et en fait, il n'y a rien qui va, et... C'est compliqué. Il y a une division après en nous qui s'opère, qui finit par nous rattraper. Ça, Alice Miller en parle très bien quand elle dit que le corps ne ment pas. Hein. Tout ce qu'on a subi, c'est notre corps qui va le montrer à un moment. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, je trouve, de faire le lien entre tout cet abandon du petit, toute cette absence, ce néant complètement omniprésent, et donc tout ce qu'on trimballe là-dedans, avec ce qui va se passer dans notre vie des années plus tard, souvent. Oui, il y a plein de personnes qui font pas le lien, hein. Enfin en tout cas. Oui. Mais ça commence. Hein. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent de l'importance de ce qui s'est passé petit sur notre vie adulte. Et d'ailleurs, c'est le sens même de l'intitulé de cette discussion, là, ce sont les besoins élémentaires, c'est fondateur, vraiment, sur tout le développement adulte. J'ai d'autres questions qui sont posées, des remarques aussi. Moi, j'aurais bien aimé aussi qu'on parle de l'instruction, parce que, en lien avec l'idée que l'instruction est obligatoire dès l'âge de 3 ans depuis l'année dernière, et de ce que tu dis, toi, au sujet de « on apprend que quand on est en lien », j'aimerais qu'on l'aborde, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais quand même plutôt poser une question d'une de nos auditrices avant qu'on aborde la question d'instruction. Alors, elle dit 2 choses. Elle dit qu'elle comprend et partage très largement le rejet de la scolarité. Alors là, c'est plutôt une critique de l'école qu'un rejet de la scolarité. Enfin, peut-être que tu préciseras, Valérie, mais donc le rejet de la scolarité. Alors, je répète, je comprends et partage très largement le rejet de la scolarité imposé par le milieu scolaire, mais quid de la sociabilité, de la vie collective? Alors, tu en as un petit peu parlé au début, mais peut-être que tu peux de nouveau dire un mot. Bah, qu'est-ce qu'on appelle sociabilité? Oui. Est-ce que c'est « je vais faire bonne figure quel que soit le milieu dans lequel je vais me retrouver » Ça, c'est pas évident, hein. Ça dépend vraiment des personnalités. Est-ce que je vais me sentir respectée dans n'importe quel milieu où je vais me retrouver? C'est pas évident non plus, parce que les groupes sociaux sont rarement constitués de manière à respecter ceux qu'ils accueillent. Il y a souvent des règles qui sont pas, qui sont ce qu'elles sont, mais déjà on les capte ou on ne les capte pas. Il y a des règles implicites ou explicites. Il y a beaucoup de gens dans la mouvance neuroatypique qui parlent à quel point c'est compliqué de percevoir les attentes qu'un groupe ou un autre a par rapport à leur comportement. Et si on ne prend pas la peine de les expliciter, ces règles, est-ce qu'on a le choix de s'y conformer ou pas déjà? Est-ce que le groupe en lui-même est accueillant? Donc, je pense que la sociabilité, c'est peut-être quelque chose qui est attendu et discuté,
Mais pour moi, en pratique et concrètement, la sociabilité, c'est déjà comment je me comporte dans ma famille, avec mes amis, avec les gens qu'on croise, quand je vais chez la boulangère, en fait, quand je vois mes cousins, quand même avec le chat. Un chat aussi, moi, je connais un de nos chats a donné de grandes leçons de sociabilité aux enfants parce qu'en gros, s'ils se faisaient trop emmerder, ils se prenaient un coup de patte. Donc, ben, à un moment, oups, tiens, peut-être que là, j'ai été trop loin. C'est important, ça. À quel moment je vais trop loin, c'est évaluer la bonne distance par rapport à l'autre, c'est quel rapport on a, est-ce que c'est un rapport intime, familier, est-ce que c'est juste on se croise comme ça, bonjour, au revoir, toutes les règles de politesse, enfin, c'est extrêmement vaste comme question en fait. Et à quel moment ça va être un atout, cette sociabilité il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont faire le coup du bisou obligatoire pour les petits-enfants. Une calamité. Est-ce que les jeunes enfants ont forcément envie de faire un bisou à cette personne ? Et il y a des gens qui se sentent embêtés si leur enfant n'est pas, on va dire, sociable et ne fait pas le bisou à tout le monde parce que, oh, comme il est mignon, il a fait un bisou. Mais qu'est-ce qu'on veut ? On veut un enfant qui respecte son corps, ses limites et qui se fait respecter et qui, du coup, va faire un bisou s'il a envie de le faire et ça va être juste ? Ou un enfant qui se force à faire des bisous, qui se force à obéir ? Qui se force à être bien gentil, qui se force à un tas de choses. Si c'est ça la sociabilité, c'est pas le même enfant et c'est pas les mêmes rapports. Et ça, c'est très très adultiste, je trouve. Et la vie collective. Et la vie collective, c'est pareil. C'est quel collectif ? Parce qu'une classe d'école, c'est 30 gamins parachutés de nulle part qui se sont jamais vus. Alors ça dépend. Il y en a qui viennent tous de la même crèche, éventuellement, selon les quartiers et les écoles. Mais pas forcément. Ça, c'est dans les petites classes. Hein. Après, dans des classes plus grandes, collège, lycée, les gamins, ils se connaissent pas forcément avant. Alors, la vie collective, c'est quoi ? C'est est-ce que dans cette vie collective, je vais me trouver un ou deux potes qui va me permettre de finalement bien fonctionner et de tenir le coup ? Parce que souvent, c'est ce qui se passe pour la plupart des enfants quand même. Je te l'avais dit ça, mais pendant le confinement, les gamins qui ne pouvaient pas retourner à l'école, ils étaient là, oh mes potes, machin et tout, ouais, youpi, vivement que je les revois. Il n'y en a aucun qui était là, vivement que je reprenne les apprentissages. C'est la vie collective ou pas les apprentissages ? Et je te dis, il y a celui qui voulait retourner à la cantine, il était trop mignon. Je trouve ça adorable. Donc, quelle vie collective ? Moi, ce que je vois dans les enfants qui vont pas à l'école, justement, c'est qu'ils ont une vie collective beaucoup plus riche. Ils ont tout le temps envie de se voir, de s'organiser des trucs. Dès qu'ils ont trouvé des gens avec qui il y a des affinités, parce que justement, on ne va pas les forcer à les avoir, ces affinités. Ça n'a pas de sens. Ils ne sont pas obligés de se voir. Enfin, souvent dans une démarche de non-scolarisation. Donc, si on va voir un tel ou un tel, c'est parce qu'on en a envie. Et s'il se construit des liens, ce qui n'est pas du tout forcément le cas parce que les enfants ont juste pas ressenti le besoin de le faire comme ça, mais si ça se construit, ces liens, ça fait une vie collective assez riche, une forme de loyauté, un accueil des autres qui peuvent être là. Après, c'est les limites des parents aussi. Hein. Est-ce que les parents ont envie de faire le taxi ? Est-ce que les parents sont disponibles pour qu'il y ait des soirées pyjama ? Est-ce que... Mais il y a une vie collective dès qu'il y a ne serait-ce qu'un autre qui est au-delà du cercle familial. Et s'il y a un autre et que c'est des enfants assez jeunes, il y a les parents qui ne sont pas très loin. Et d'une certaine manière, c'est ça qui est un peu rassurant et c'est ce qui manque à l'école, moi, je trouve. Parce que les enfants, ils se font quand même racketter, humilier, embrasser de force, arracher leur culotte. Enfin, tout ça, ça est arrivé dans l'école primaire où était ma fille à Paris et les parents n'en savaient rien, quoi. C'est les enfants qui le disaient, et je parle beaucoup avec eux, mais comme il n'y avait que des nounous, les parents, ils ne voyaient jamais rien de ce qui se passait à l'école, à la sortie de l'école. Les enfants sont bousculés, les enfants sont insultés. C'est de la sociabilité. Oui, c'est vrai qu'après, on va voir ça plus même à d'autres niveaux quand il y a les entrées dans certaines écoles où il y a des épreuves de 18 tâches qui sont juste totalement insensées. Est-ce qu'on a envie que nos enfants laissent faire ça, en fait ? Je ne sais pas si tu en as entendu parler, ça, de certaines grandes écoles. Où, oui, les visitages dans les grandes écoles, bien sûr, évidemment. Oui. Je vois bien, donc,
Est-ce qu'on a envie que nos enfants se prêtent à ce genre de jeu? C'est de la sociabilité, hein. Et en plus, tu ne fais pas partie du groupe si tu n'as pas été humilié quelque part. C'est quand même… on peut se poser des questions. Oui, c'est de la sociabilité, mais laquelle, en fait? Laquelle? Celle qui consiste d'abord à se respecter et à attendre de l'autre que l'on passe autant, ou à se plier à n'importe quelle règle de n'importe quel groupe, dans n'importe quelle condition. Et… On approche de la fin, malheureusement. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'instruction obligatoire à l'âge de 3 ans? C'est très, très, très aberrant parce qu'à cet âge-là, justement, il y a des enfants qui sont déjà, à mon avis, extrêmement mûrs au niveau du langage. Tu as des enfants qui font juste des phrases, qui ont un raisonnement, des arguments et qui enchaînent les choses les unes après les autres. Et puis, tu en as d'autres, c'est assez rare, hein. Tu en as d'autres qui ne parlent pas du tout, ça ne les intéresse pas et ce n'est pas la peine de les emmerder avec ça et envoyer ces gamins-là à l'école. Il va se passer quoi pour eux? Enfin, c'est ahurissant. Mais sinon, instruction en général, bon, c'est un grand truc, le langage, apprendre à parler. Et c'est d'autant plus important qu'on sait parfaitement que le langage se développe dans la relation. C'est encore plus important peut-être que n'importe quel autre apprentissage. Il y a besoin d'un lien fort pour apprendre à parler. Donc, des enfants qu'on met à l'école à 3 ans et qui sont des débutants de l'expression orale, vont pas pouvoir en fait la développer. Ils vont rester dans leur coin, ils vont attendre. Et c'est déjà compliqué de s'exprimer. Si en plus personne n'est là pour vous parler de ce qu'il y a autour de vous, tout simplement, de ce qui est en train de se passer, ils vont désapprendre à parler. Je pense vraiment que c'est une catastrophe. Il y a peut-être des enfants pour qui ça irait dans des petits groupes de 3, 4, 5 enfants, comme il peut y avoir comme ça, quoi. Mais ce n'est pas du tout les options qui ont l'air d'être prises. Et alors, avec l'histoire du masque, bon, à 3 ans, ils n'en sont encore pas là, mais c'est complètement… Même déjà, il y a des gens alertent sur le masque à 6 ans. C'est très compliqué au niveau, justement, des expressions, de tout ce qu'on peut décoder dans le langage non-verbal. Ah, ben, ça suffit d'avoir… Oui, on essaye de nous rassurer. Oui, on entend, c'est vrai, mais l'instruction, c'est quelque chose en plus. L'autre facteur important dans l'instruction, que ce soit à 3 ans ou autre, c'est qu'on y prenne plaisir. Et ça aussi, on le sait que les gens, que les enfants ou pas enfants apprennent bien quand ils sont contents de le faire, quand ils sont contents d'être là, quand ils sont contents de la personne avec qui ça se passe. Et ça, l'école en général, c'est… c'est pas très très bien réussi là-dessus non plus, quoi. Ça peut pour quelques-uns. Allô? J'entends plus. Pardon, j'ai bougé mon curseur. J'ai une dernière question à te poser. Une question de Thierry qui te demande ce que tu penses des recherches, expérimentations d'un autre type d'école où l'on apprend avant tout la sociabilité en plaçant l'enfant au centre et en recréant des conditions de vie différentes que celles qui sont proposées à l'école de l'éducation nationale. Thierry pense aux écoles démocratiques qui seront sous le feu des contrôles, là aussi, avec ce nouveau projet de loi. Est-ce qu'on apprend la sociabilité dans ces écoles démocratiques? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu l'as d'abord? Oui, j'en ai un peu entendu parler. Il y a des échos très divergents, en fait, entre les enfants qui ont réussi à créer des liens et des attachements entre enfants ou avec les personnes qui sont là pour eux. Et puis, il y a les enfants. Il y a un peu… En fait, ça ne tient pas compte de tous les profils. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont allés vers et puis il y a les enfants qui sont allés chercher. Donc, il y a des enfants qui, d'eux-mêmes, ils vont… ouvertement proposer, demander, ils vont être très actifs, ils vont être proactifs même. Et ça, c'est très bien vu comme profil, mais il n'y a pas de raison que tout le monde soit sur le même mode et une société a besoin de gens plus introspectifs, plus réfléchis, plus kinesthésiques aussi souvent, qui sont beaucoup plus dans le ressenti, beaucoup plus apaisants, peut-être moins rapides à un certain niveau. Mais par contre, avec plus de profondeur, enfin bon, tout ça, c'est très, très schématique. Hein. On peut tous être l'un ou l'autre selon le domaine dans lequel on est.
Mais c'est pareil, je pense qu'il y a en priori trop peu d'adultes ou de gens qui sont là pour créer des attachements pour beaucoup trop d'enfants et qu'il y a une partie des enfants qui va rester sur le carreau. Par contre, au moins, on ne les embête pas. C'est déjà ça par rapport à l'école normale. Mais en termes de sociabilité, s'ils ne se font pas des potes, ben, ils vont rester tout seuls. Donc, s'ils sont assez grands pour dire ben « Non, moi, ça m'embête, je n'ai pas envie de rester, bon, c'est arrivé, hein, ils s'en vont. » Et puis, s'ils sont trop petits, et s'ils n'osent pas dire, et s'ils ne veulent pas faire de la peine à leurs parents parce que ça avait l'air bien, et qu'en plus, ils payent cher, ben, ils vont s'emmerder pendant des heures et des heures et des heures. Mais c'est intéressant tout ça, ça ne doit surtout pas être condamné, ni interdit, ni rien. Et moi, je pense qu'au contraire, il faut autoriser un maximum d'expériences pour que les gens finissent par créer ce dont ils ont vraiment besoin, en disant « j'ai le choix ». Il faut qu'on ait le choix, en fait. C'est la seule chose qu'on puisse se dire au stade où on en est, et que tout ce qui va attaquer ce choix, que nos enfants aillent à l'école du coin, une école spéciale, ou qu'ils n'y aillent pas, mais qu'ils puissent avoir des activités, c'est extrêmement important qu'ils aient le choix. Et si moi, j'étais ministre de l'Éducation nationale et pas un sbire de l'adultisme patriarcal capitaliste, hein, je résume, c'est un peu condensé, mais bon, autrement dit, qui veut juste des gens obéissants, je pense que simplement avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on n'aurait pas besoin d'en mettre plus des moyens. On a des lieux, on a des gens qui sont disponibles. On pourrait faire de l'école des lieux de rencontre et de projets où tout le monde trouverait son compte. Et ça, j'adorerais, parce que honnêtement, l'école à la maison, c'est génial. Je ne regrette pas par rapport à toute la souffrance évitée et puis bien sûr le bonus des gens rencontrés. Mais comme tu dis, il y a des gens qui peuvent être aussi très isolés. Et si l'école pouvait être ces vrais lieux de vie et de rencontre pour tout le monde, y compris ma voisine qui a 72 ans et qui voudra prendre des tricots, et on aurait tous des activités à proposer. Les apprentissages de base, ils sont hyper simples, ils s'apprennent très vite dès qu'on est motivé. Moi, j'ai des enfants. Et en lien, dès qu'on est motivé et en lien. Et que personne ne les embête. Les enfants qu'on emmerde parce qu'il faut qu'ils sachent lire à 6 ans, et ça les bloque complètement. Et après, on les envoie chez l'orthophoniste et le machin et le truc. Alors qu'à 10 ans, si ça se trouve, c'était des lecteurs tardifs, ça serait rentré tout seul. Chez des enfants, je ne sais pas comment ils ont appris à lire. Hein. Alors, il y en a un qui me dit, ouais, c'est avec les sous-titres de la Panthère. Bon, d'accord. Mais, et puis, tu en as d'autres. Y a un truc qui ne rentre pas, il ne rentre pas. Mais après tout, pourquoi est-ce que nos enfants, ils devraient en savoir plus que nous? Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne se rappellent pas de tout ce qu'ils ont appris à l'école, mais il y a un truc qui les a vraiment intéressés avec tel prof qui était super chouette, et ça, c'est resté. Donc, on peut multiplier les expériences de ce genre, ou on peut faire une école où on devient des petits robots. Bon, bah, ok, super. Non, merci. Mais sauf que là, on va être obligé. Ah, mon Dieu. Donc, on a vraiment intérêt à se bouger et à en fait se mobiliser sur ce qu'on veut. Parce que juste rester sur « ça, j'en veux pas », ça ne va pas nous donner ce qu'on veut. Nos enfants, ils n'ont pas besoin de ce dont on ne veut pas. Ils ont besoin de ce qui est bon pour eux et de ce qui est bon pour nous. Donc, pour tout le monde. Eh ben, merci beaucoup, Valérie. Des lieux comme ça, John Holt, il en parle dans son livre « Une éducation sans école ». Oh, j'ai encore oublié le titre, je suis désolée, au secours, les amis. Mettez le carton. Et merci infiniment, Valérie, d'avoir été là avec nous. C'était vraiment chouette, c'est passionnant. On a envie de te poser 1000 questions. J'ai eu plein de commentaires, j'ai essayé d'en faire remonter un maximum. Je n'ai pas réussi à tout traiter. Je suis désolée, en plus, j'ai un peu tendance à m'étaler, mais je serais très contente de parler avec tous ceux qui ont envie de papoter sur Twitter, qui est à peu près le réseau pour l'instant où je passe du temps, on va dire. Donc voilà, Valérie Vaillère, je pense qu'on le trouvera assez facilement. Voilà, et puis allez voir Valérie Vaillère sur Twitter, posez-lui des questions si vous avez envie. Allez sur l'Agora aussi, n'hésitez pas à poser des questions sur l'Agora au sujet des interventions qui ont été faites, même aux intervenants, on les transmettra ou on obligera les intervenants à aller sur l'Agora eux aussi. Merci beaucoup à tout le monde. De discuter, d'aller plus loin et vraiment de rassembler nos propositions et nos envies pour cette l'école dont on rêve tous. Exactement. Moi, ça serait bien de faire un truc là-dessus, si tu veux, on pourra l'écrire aussi ensemble, de l'école comme on la voudrait. Avec grand plaisir. Voilà.
Je crois qu'on a du boulot à faire là-dedans. On a du boulot, ouais. Un grand merci, Valérie. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. À bientôt pour le prochain live. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Je crois que...